Salut tout le monde les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le record du plus grand t-shirt du monde, mais avant de commencer, je tenais juste à vous dire un grand merci, car même si je n'ai pas fait de vidéo depuis le mois de septembre, vous avez continué à vous abonner et on est passé de 700 à plus de 1000 abonnés sur la chaîne des records du monde. Du coup, je me suis dit qu'il était temps de refaire quelques vidéos. Celle-ci sera courte, mais il y en aura d'autres bientôt, c'est promis. Assez de blabla, je vais maintenant vous parler du t-shirt le plus grand du monde. De plus en plus de gens sur Terre s'inquiètent de l'augmentation du volume de plastique jeté dans le monde entier et des conséquences que ça entraîne sur l'environnement. La société indienne Plast India a voulu participer à cette prise de conscience en organisant une campagne de recyclage à grande échelle. Ils se sont dit qu'une tentative de record leur permettrait de mieux faire entendre leur message. Ils ont donc décidé de fabriquer le plus grand t-shirt du monde en utilisant uniquement des matériaux plastiques recyclés. Ils ont alors collecté 200 000 bouteilles de plastique vides, les ont broyées, recyclées et transformées en fibres pour créer 4000 kg de tissu. 60 bénévoles et 15 tailleurs professionnels se sont ensuite mis au travail pour réaliser le t-shirt en surimpression. Il leur a fallu 45 jours pour y parvenir en cousant différentes parties du t-shirt dans plusieurs manufactures à travers les villes de la région. Pour être validé, le t-shirt devait être bien proportionné, de sorte qu'un humain géant puisse le porter, même si évidemment ils ne sont pas prêts de trouver une personne aussi grande que ça. Une fois les différentes parties cousues, tout a été rassemblé sur un terrain de cricket, sport très populaire en Inde, où 120 bénévoles ont passé 3 jours à assembler les pièces de tissu et à faire les dernières retouches. Quand tout a été prêt, l'huissier du Guinness Book des records est venu mesurer le t-shirt pour voir s'il battait le précédent record, qui mesurait déjà 93 mètres de haut par 62 mètres de large et avait été cousu au Brésil. La foule retenait son souffle pendant la mesure, et le résultat final tomba. 96,86 mètres de haut par 69,77 mètres de large. Le record du monde est battu. Mais bon, faire un t-shirt géant pour alerter sur la pollution et le rejet massif de plastique, c'est bien, mais si c'est pour faire un t-shirt que personne ne peut mettre, je vois pas bien l'intérêt. Les organisateurs avaient bien sûr pensé à ce détail, et une fois le record validé, le t-shirt a été décousu et a été transformé en 10 000 chemises qui ont été distribuées aux enfants défavorisés de la région. Cette nouvelle vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Big up les potos!